Hey, salut, ami I et ami E et autres. 16 juin, non, en tout cas, 16 juin 2016, je sais pas. Je sais pas la date aujourd'hui. Pas grave. Écoute, je suis fébrile, tellement fébrile. Écoute, ce matin, j'ai fait une vidéo à 4 heures du matin. Et j'ai dit, je t'aime, le perçois-tu, vraiment. Alors aide-moi, aidons-nous à partager ensemble, avec notre propre créativité réciproque. Je suis fébrile parce que je suis en contact avec l'information qui est tellement importante à partager. Je ne sais pas si tu as un proche autour de toi qui vit peut-être des symptômes de l'Alzheimer. Ben imagine-toi que cette bonne amie, cette noble nature qui m'a été présentée par cette autre bonne amie et noble nature, Martin Latulippe, David Lefrançois, a créé une formation qui s'appelle Brainology. Je t'invite à regarder sur Internet Brain, B-R-A-I-N, O-L-O-G-Y. Il a fait une formation pour nous développer des capacités exceptionnelles à ceux qui le désirent, à ceux qui ont à cœur encore un cœur d'enfant, comme moi. Est-ce que je le désire vraiment? Ben maintenant, écoute bien là. Maintenant, encore vivant, bien vivant maintenant là, avec des yeux pour observer, admirer, contempler la noble nature, des oreilles pour entendre. On va s'arrêter. Ah, le bruit d'une corneille, une balayeuse. Non, c'est une souffleuse, c'est pour assécher la scène, pour préparer la scène. Peut-être pour moi. J'aimerais vraiment ça. Vraiment. Mais je souhaite tellement partager de l'information qui est utile et salutaire à notre vie. Réciproque à tous. Ben, je t'invite, là. Je m'invite moi-même, là, à prendre le temps ici, maintenant, là. Respirer pour être bien inspiré. Et si je l'oublie, mon intention, mon expression est imparfaite. Mon intention, au niveau du cœur, elle est plus que parfaite. Fait que, puis c'est très important pour moi de le partager. Écoute, si dans la minute qui suit, j'arrête de vivre. J'arrête de faire partie de cette merveilleuse, émerveillante réalité pour moi. Je t'en souhaite tout autant pour toi, une aussi belle, aussi émerveillante, ressourçante, vitalisante. C'est je te souhaite du fond du cœur. Avec plus de lumière dans ta vie. Pas trop pour pas t'éblouir, mais assez pour t'émerveiller. Ben, j'aimerais te partager ce qui m'a été partagé par cette noble nature, David Lefrançois, que nous avons au niveau du cerveau, en fait, 4 cerveaux. Cerveau gauche-droit, frontal, puis cervelet. Celui-ci, pour favoriser notre apprentissage, c'est en mouvement. Fait que des fois, tu vois des gens qui sont en formation puis qui bougent. Ben, ça favorise leur apprentissage. Ça, c'est à cause de notre cervelet. Mais ce qui est plus important pour moi, c'est qu'on puisse être vrais les uns envers les autres. Authentique et véritablement bienveillant. Ce qui suppose de s'abroger des peurs, hein, des peurs. Certaines personnes, là, ils ont du pouvoir dans notre société parce qu'ils avaient peur.
Et parce qu'ils avaient peur, ils sont abrogés un certain degré de pouvoir. Quand tu n'as plus ces peurs, tu deviens un bienveillant, un être bienveillant qui partage avec générosité. Comme bien des gens qui m'environnent, on le font et que je puis, avec mon imperfection, l'apprécier. Je l'apprécie. Merci beaucoup, ami, leader de conscience, François Lemay, Martin Latulippe, hey, Isabelle Fontaine, Geneviève Young, tous ces êtres qui m'environnent, que j'ai le bon plaisir de côtoyer, de choisir librement et volontairement, option, libre choix volontaire, de nous arrêter. Nous avons tous ce choix-là, de nous arrêter, faire une mise au point et d'apporter avec la lentille que tu perçois ici, là, une attention plus particulière à qu'est-ce qui nous intéresse vraiment. Je nous propose de le faire avec joie, au niveau du cœur, et être à même d'y découvrir cette noble nature d'être que nous sommes tous en profondeur et qui, je le souhaite pour plusieurs d'entre vous, nous environne encore. Pour combien de temps, dépendamment de nos choix, de consommation, d'existence et de croissance. Je nous offre librement et volontairement d'être avec conscience et véritable bienveillance, être à même d'y découvrir cette synergie qui nous offrira l'opportunité de vivre des résultats exceptionnels dans nos vies réciproques. Et tout ceci, je le fais avec joie, en étant heureux, en partageant, je le deviens et tu le deviens davantage. Tous ensemble, ici, maintenant, avec nord, sud, est, ouest, les petites flamèches là, qu'ils voient là, là, c'est le rayonnement que nous avons tous, que nous pouvons propager autour de nous. C'est ici maintenant qu'on peut le faire davantage. Pourquoi pas maintenant? Je t'invite à y réfléchir, à y porter davantage d'attention à ton cœur. Hein? Et je t'invite à apprécier ce moment où je t'exprime avec tout mon cœur toute ma bienveillance et toute ma vitalité que je t'aime. Qui que tu sois, ici, maintenant, je t'aime. J'ai le pouvoir de pouvoir te le partager maintenant, encore vivant, bien vivant. Merci du fond du cœur pour tout ce que tu as pu partager et ce que tu partages encore maintenant. Merci du fond du cœur de prendre le temps de te connecter à toi, de te connecter à ces sources et ressources à l'intérieur de toi et de les faire resplendir tout autour de toi avec conscience et véritable bienveillance. Merci. À toi, ami I et ami E et autres, qui, de mon passage jusqu'ici maintenant, a pu m'aider d'une certaine façon, quelle qu'elle soit, par des leçons, des apprentissages, des défis. Je te dis merci du fond du cœur. Parce que je peux encore le faire de mon vivant maintenant. Je t'invite à y penser sérieusement. Tout en ricanant. Le sens du mot, c'est important. Sur ce,
Une fois de plus, je te dis. Je t'embrasse, je t'aime. Je te porte sur mon cœur, précieusement. T'es précieux. T'as une signification tellement importante à découvrir à l'intérieur de toi et à resplendir tout autour de toi. Je t'invite à la découvrir davantage. Merci à tous ces êtres que je porte dans mon cœur, que j'ai rencontrés depuis mon passage sur Terre, à tous ces autres que je vais rencontrer encore. Je vous dis merci du fond du cœur. Vraiment merci. J'ai le plaisir de pouvoir le faire, d'entendre les oiseaux, de m'émerveiller de la noble nature, encore vivant, ici maintenant. Merci du fond du cœur. Vraiment merci. Je vous porte tellement dans mon cœur. Ceux que j'ai pas nommés, là, que j'ai rencontrés, que j'ai pu percevoir, que j'ai pu serrer dans mes bras, que j'ai juste pu entendre, je vous dis merci. Vous avez une profonde, éternelle reconnaissance pour moi. Vous êtes précieux et précieuses, de noble nature. Cette noble nature, David Lefrançois, si je peux me permettre, nous interpelle et soyez attentifs. Mes seigneurs, Patrick Leroux, je te parle à toi plus précisément. Parce que toi, quand je t'ai interpellé noble nature, t'as pas aimé ça. Mais je comprends. Écoute, David Lefrançois, il nous interpelle, mes seigneurs. Il y a peut-être quelque chose à apprendre. Sur ce, à vous tous, amis et autres, profitez de la vie, célébrez davantage celle-ci avec profonde et véritable bienveillance envers vous-même et envers celle-ci. Je vous le souhaite de tout cœur, avec tout mon amour, toute ma douceur, ma tendresse, ma fébrilité, ma lumière, mes ondes d'ombre, tout ce que je suis, tout ce qui m'environne, avec ma joie, avec simplicité. De tout cœur, merci. Namaste. Namaste. Namaste.